Vous voulez des chips? Non, j'ai pas le temps. Vous voulez vous mettre cette paille dans votre nez? J'ai pas le temps. Vous voulez faire un chifoumi avec moi? J'ai pas le temps. Mais quoi? Comment ça vous avez pas le temps? Vous avez un train à prendre ou quoi? Eh oui. Alex aux toilettes, ça te dit de te cacher dans le pouf? Ça va recommencer. Ah ouais, d'accord, carrément. Yann, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Génial. C'est la première fois que je suis un pouf de toute ma vie. Non, par contre, j'avais peur que Alex s'éclate sur moi. Ouais, ça aurait été... C'est parce que je suis gros, c'est ça? Mais non. Prête à voir les poissons, Roman? Et puis poissons. Celui qui a la crête là-bas, ça c'est le méchant, ça. Ouais, c'est le méchant du bassin. C'est la brute un peu, mais dans le fond, c'est une bonne personne. Pourquoi les requins ils ont des outils? Ah, mais c'est des prédateurs. D'autres ils ont des scies. Il y a un poisson tournevis, tu penses? Un poisson tournevis? Ouais, ou un poisson clé à molette. Mais qu'est-ce qu'il ferait avec ça? Il serait en association avec le requin scie. Ils pourraient construire des maisons et tout. Ils auraient un petit camion, un camion baleine. Ça a déjà existé. Laisse tomber, ça a déjà existé. Sont... Mais moi ça me fait peur, hein. Non, mais allez, venez, hein. Allez, venez maintenant. Mais j'ai peur. Non, mais venez, Roman. Oh, oh, regardez un requin. Waouh. Ah, regardez des enfants. Oh mon dieu. Aïe! Ça va? Ça va? Vous êtes content de ce que vous avez fait? Parce qu'ils ont des moustaches! On dirait Alex quand il s'est rasé la barbe! Si j'ai déjà fait une fois de moustache, il faudrait que je retrouve la photo. Tu me fais la moustache ou pas? Je sais pas. Parce que Fatima m'a rappelé que c'était novembre. Et tu sais, le novembre là. Ah, mais tu sais, je vais me mettre sur Insta. Les gens ils vont dire, oh, il fait novembre. Mais non, mais personne connaît ça. C'est contre le cancer des testicules. Mais à quel moment ça aide quelque chose de faire ça? Justement, c'est pour ça que je dis que je méprise ces gens-là. Ils font semblant de soutenir une cause parce qu'ils sont morts dans l'intérieur. Ils essaient de rallumer. Vas-y, Allez, vas-y. Je sais pas. Le poil repousser encore plus fort. Encore plus fort. Mais parce que c'est le principe du poil. Quand tu le coupes, il va repousser plus beau et plus fort. Quel dilemme. Ouais, vas-y. Tu peux être comme ça. Il s'est appuyé. Je savais même pas qu'il était comme ça ton menton, c'est le débat. Ah, il est là-dessus. T'es content de le revoir? Bah pas vraiment en fait, je l'aimais pas, c'est pour ça que j'ai quitté. Attends, prenons du recul. Tu ressembles à quoi? On ressemble à un mec qui fait des pizzas. C'est vrai. Qu'est-ce que j'ai fait, putain? J'aurais dû écouter Fatima. Vas-y Alex, quand tu veux. Quelle erreur. Mais quelle erreur. Je t'ai dit. Roman, je voulais absolument aller à ce magasin là. C'est pour ça qu'on est venu à Toronto. Vous m'avez fait venir à Toronto juste pour ça? Parce que vous voulez des petites robes de princesse qui sont pas à votre taille? C'est pas à ta taille? Non mais je donne 100$ maintenant à celui qui en a fait un bottle flip. Fatima, vas-y. Vas-y Roman. Vas-y Margot. Donnez-moi ma bouteille. On m'a trouvé un piano à pied. Ok, moi je peux essayer. Ok, je suis prête, vas-y. Trop fort. Ouais, je viens ici tous les week-ends. Vous êtes pas très doué monsieur, je trouve. Roman, je te donne 100$ si t'arrives à me dire ce qui se passe ici maintenant. Agence de tourisme. Agence de tourisme? Ouais. Centre de certificat de traduction. Mais c'est génial. Du coup, tu t'es totalement trompé par contre. Bah voilà. Ok guys, on est dans un appartement avec Roman à Toronto. Et Roman a très très peur du vide. Allez-y, collez-vous. Je me suis mis à transpirer dans mon bain. Alex a sauté en parachute. Moi, je voulais vraiment, genre là, aller plus loin. En me faisant sauter par la fenêtre? Non, juste tu viens ici, quoi. C'est allez-y. Bon, pas besoin. C'est bon? Oui, c'est bon. Alex a sauté. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'éponge. Ok, guys, il y a quelques semaines, Alex était devenu beaucoup trop fan de Roman. Hey, Romy Victory! Ah, je suis un grand fan! On peut faire une photo, s'il vous plaît? Et depuis ce jour, Alex n'est toujours pas revenu à la réalité. Alex fait un peu les magasins aujourd'hui. Alex, c'est quoi ton objectif aujourd'hui? De rencontrer Romy Victory. Mais non, mais ça, c'est on est dans les magasins, il y a peu de chances qu'on la rencontre. Hein. Tu sais que c'est une star quand même. Ah, mais quoi? C'est Romy Victory! Oh, la fameuse youtubeuse Romy Victory! Oh, mais c'est elle! Oh putain, mais quelles sont les chances! Hey, Romy Victory! C'est un grand fan! Faites plus jamais ça, gars, je m'attendais pas du tout à ce que c'est. Dans le coin! C'est Romy Victory! C'est Romy Victory! C'est Romy Victory! C'est Romy Victory!
C'est qui? Ah mais c'est Romy Victory. Ah mais c'est Romy Victory. J'ai donc acheté un mégaphone pour qu'Alex puisse enfin se faire entendre par sa star préférée. Est-ce que vous voulez le mégaphone? Vas-y, vas-y. Ah mais ce serait pas Romy Victory par hasard? Romy Victory, Romy, Romy Victory. Arrêtez. Qu'est-ce que c'est que ça? Arrêtez! Il neige! Non mais! Qu'est-ce qu'on va faire pendant 7 mois? On va boire tous les jours de l'alcool, comme ça on sera tout l'hiver bourré! Ouais!